être lundi 25 juillet 2022. Cette nuit, j'ai dormi à Sauliac-sur-Célé, près de l'église. Il y avait un point d'eau puisqu'il y a un cimetière. Bon, ça, je vous l'ai dit peut-être hier. La nuit fut tranquille, si ce n'est que le poulailler, je ne sais pas ce qu'il bricole les poules, où il y avait des poussins ou peut-être d'autres animaux là-dedans, mais ça n'a pas arrêté de crafouiller au moins jusqu'à 2h du matin. Oups, le coude qui tombe. Et puis, j'avais pas besoin de radio réveil, hein, parce que l'église a sonné les heures et les demi-heures tout le temps. Voilà. Ah, il y a du petit peu d'air là. Ça fait un bien fou. Le ciel est un peu plus couvert aujourd'hui. Et c'est pas mal. Là, c'est les genévriers. Après le buis. Ah bah non, c'est un mix buis et genévrier. Sympa. Ça descend un peu, donc je vais arrêter de filmer pour pas me casser la gueule ni l'appareil. Juste avant d'arriver à Cabreret, il y a une pinière, je crois, avec une pause pèlerin. Malheureusement, il n'y a rien à manger là, ni à boire. Si, il y a de l'eau. En tout cas, ça a l'air très beau. C'est un gîte qui a l'air vraiment sympa. À vendre, maison troglodyte. Je suis à Cabreret. Ça a l'air très très beau. C'est tout. Voilà. Bon, j'ai quitté Cabreret. Juste avant, j'ai rencontré trois filles belges. Diane, Frédéric et Valérie. On a fait un tout petit bout de chemin ensemble. Elle marchait beaucoup plus vite que moi. Et puis on s'est perdu dans Cabreret. Et par hasard, la dame que j'avais rencontrée hier à Marcillac, quand je me suis baignée, donc c'est Nathalie. Nathalie qui était partie très tôt ce matin, mais qui faisait une pause là. Puis on s'est de nouveau séparés dans Cabreret. J'ai fait des petites courses. Et là, il y a une grimpe. Ouais, ça grimpe sec en fait. Pour aller à Pêche-Merle, qui est une grotte avec des stalagmites, stalactites, et aussi, je crois, des empreintes, des dessins. Comment on dit? Moi, je trouve plus mon vocabulaire quand je suis crevée. Voilà. Des vieux dessins. Et là, je me dirige vers Bouziès. J'ai encore 5-6 km. Je vais voir ce soir, essayer de trouver un camping. Là, j'ai fait déjà 10, un peu plus maintenant, 12 sur les 12-13 km. Ce sera peut-être pas une grosse journée. J'ai chaud là, je me suis rafraîchi, même si la météo est plutôt clémente, pas aussi chaude qu'hier, donc c'est bon. Mais il fait un peu plus, il fait lourd. Bon, ciao ciao. Ça, c'est le chemin du halage qui va à Saint-Cyr-la-Popie. Je vais dormir dans un camping au pied de Saint-Cyr-la-Popie.
j'ai retrouvé les trois filles belges, ainsi que Nathalie et Jérémy, qui eux vont dormir à Saint-Cyr. Ah oui, par terre, c'est pas très... Je pensais que ça avait été un peu aménagé. C'est très beau, je suis contente de faire ça. C'est un aller-retour pour moi. Je suis obligée de revenir demain. Mais c'est chouette.